passe derrière les Diables Rouges avec Jupiler. Mesdames et messieurs, bonsoir. J'ai l'impression que les images et le son parlent d'eux-mêmes. Vous l'avez compris, au moment où retentissait ici au stade du Parken l'hymne national danois, après, et c'est malheureux que vous ayez manqué notre Brabanson, vous l'avez entendu, vous l'avez vu, c'est une ferveur toute particulière qui anime aujourd'hui non seulement les 11 joueurs qui vont défendre les couleurs du Danemark aujourd'hui, mais les 40 000 spectateurs enthousiastes qui ont pris place sur les gradins de cette magnifique cuvette du Parken, un stade qui peut contenir 40 000 spectateurs. Et vous l'avez constaté déjà, il est archi-comble et ses supporters danois, véritablement déchaînés depuis une heure, font du bruit, croyez-moi. Pour 100 000, ils constitueront incontestablement ce soir ce fameux 12e homme dont on parle souvent et qui est capable de doper moralement ses favoris. Voilà, les Belges, vous les avez vus en maillot blanc. Bientôt va apparaître la composition de l'équipe alors que le trio arbitral, un trio italien mené par Monsieur Peretto, eh bien s'installe lui aussi sur le terrain. Donc l'équipe du Danemark, l'équipe annoncée avec quand même un petit changement. On s'attendait à voir Jensen, le joueur d'Arsenal, évoluer dans l'entrejeu. Eh bien il n'est pas là, il est resté sur le banc et remplacé par Nielsen. Quatre joueurs évoluent au Danemark, à Brøndby, tous les quatre. Les sept autres jouent à l'étranger, nous aurons l'occasion d'en parler tout à l'heure. Les substituts, vous voyez, donc avec le numéro 14, Jensen, que l'on croyait voir sur le terrain. Mais c'est peut-être un choix, c'est même certainement un choix tactique de l'entraîneur Nielsen, l'entraîneur Møller Nielsen du Danemark. Voilà nos Diables Rouges, c'est l'équipe annoncée, vous le savez, des Diables Rouges amputés par l'absence de Michel Preud'homme, de Chiffaut, de Grün et de De Wolf. Et voilà donc la composition de l'équipe belge. On me signale à l'instant que nous sommes sur antenne pour le quotidien des sports sur la première chaîne à partir de 19h10, comme chaque jour. Eh bien, amis du quotidien, sachez que la partie vient de commencer depuis quelques secondes, 8 secondes exactement, et que ce sont immédiatement d'emblée les Danois qui se portent à l'attaque avec leur numéro 6, Risager. Des Danois véritablement portés par une foule enthousiaste, déchaînée, dirais-je. Risager en retrait pour le gardien Schmeichel. Schmeichel qui va donc devoir dégager du pied. Les premières minutes vont être difficiles pour nos Diables Rouges dans cette ambiance toute particulière. C'est une cuvette, un magnifique, magnifique stade à deux étages où les spectateurs se retrouvent très, très près de la pelouse, ce qui crée bien sûr un climat tout particulier, un climat dont ne bénéficieront évidemment pas nos Diables Rouges aujourd'hui. Et surtout, je pense, au début de la partie, il va falloir rester calme, groupé, bien organisé, ne pas s'affoler et laisser passer l'orage danois. Des Danois qui sont toujours en possession du ballon avec Helweg, l'arrière droit. Helweg qui tente de s'infiltrer. On s'organise bien pour le moment, apparemment, en défense. Vous l'avez constaté déjà, beaucoup de maillots blancs à l'arrière. Nous ne sommes pas venus ici, bien sûr, comme on dit, pour faire le jeu, mais pour essayer de limiter les dégâts. Un petit point nous suffirait. Attention, une occasion. Une bonne sortie de Gilbert Bodard. Oh là là! Première situation dangereuse. Et le pauvre Gilbert touchant son premier ballon depuis 5 ans
avec les Diables Rouges est intervenu là devant Strudal avec beaucoup de volonté et il a été blessé. Nous allons revoir cette passe lumineuse, le centre et Gilbert Bodard qui plonge. Ça va, dit Gilbert, tant mieux. Ah ben comme entrée en matière, il aurait été gâté, Gilbert Bodard, qui a dû attendre, comme vous le savez, jusqu'à hier pour savoir si oui ou non il allait être titularisé. Michel Prudhomme a fait un essai hier matin, vous avez pu suivre cet essai au journal télévisé, un essai négatif bien sûr, et Michel, la mort dans l'âme, a dû eh bien, renoncer. Mais Gilbert, vous l'avez vu, est bien là. Voilà, nos Diables Rouges en possession du ballon. Avec Stalens. Stalens encore, qui récupère un ballon. Bien sûr, nous ne multiplions pas les attaquants, vous en doutez. Ce sont des Diables Rouges très groupés en défense et dans l'entrejeu qui sont alignés aujourd'hui. Et des Danois qui attaquent évidemment par l'autre troupe vers Strudal, encore lui, et un ballon qui sort. Vous savez que les deux frères, l'autre troupe évolue dans cette équipe danoise. Il y a Michael, le plus âgé, le numéro 10 qui joue au Real, et Brian au Glasgow Rangers. Un premier centre, un deuxième, et un moment de panique peut-être, d'hésitation en tous les cas, mais on se dégage. La Furia annoncée est bien présente. Encore Gilbert Bodard qui sort devant le même Strudal qui, à trois reprises déjà, n'a pas hésité, vous l'avez vu, à foncer dans l'espace libre. C'est un homme dangereux, ce Strudal. Il joue à Brøndby, lui, il a 26 ans, attaquant de pointe, qui reçoit bien sûr le soutien des frères Laudrup lorsque les Danois sont en possession du ballon. Et qu'ils attaquent comme ils le font maintenant avec Brian Laudrup. Laudrup pour Elvec, une équipe danoise très offensive, on s'y attendait. Pas de surprise de ce côté-là. Mais quelle ambiance, c'est incroyable. Un ballon pour Vilfort, poussé trop loin. Rizaguerre maintenant. Rizaguerre avec Lautrup. Ah, ou Lautrup en position de tir, heureusement. Heureusement, Philippe Albert dégage. Michael Lautrup, du Real Madrid, 30 ans. Capitaine de cette équipe. L'équipe valeureuse, championne du monde en titre, n'oublions pas. Qui avait causé une énorme surprise, souvenez-vous, en 92, en s'imposant face à l'Allemagne en finale en Suède. Toujours les Danois et la balle à Gilbert Bodard, un ballon repoussé, difficilement maîtrisé par Gilbert, mais il y avait une faute. N'est pas à la fête Gilbert Bodard, tout à l'heure c'était au visage, maintenant c'est au genou. Vous ne le voyez pas, mais il se plaint. Nous revoyons l'action, la sortie de Bodard qui s'est mal reçue semble-t-il et qui a été heurté en plongeant. Voilà Gilbert Bodard après donc 4 minutes de jeu, blessé à deux reprises. Voilà qui va le mettre, je ne vais pas dire en confiance, mais en tous les cas qui va le mettre dans le bain. Vas-y Gilbert, tout va bien. C'est les 5 premières minutes les plus difficiles. Coup franc donc pour nous, dans notre rectangle, Gilbert Bodard. Ici le Møller Nielsen, l'entraîneur de cette équipe danoise, qui fut un héros il y a deux ans lorsque les Danois étaient devenus champions d'Europe, mais qui paraît-il pour le moment serait plutôt discuté et qui pourrait devoir céder son siège d'entraîneur à un autre. On parle déjà d'Olsen, de Morten Olsen, au cas où la Belgique serait battue aujourd'hui, où la Belgique gagnerait aujourd'hui et les Danois battus. La mise en jeu précisément pour les Danois est faite par Brian Nielsen qui joue à Fenerbahçe. Laudrup qui tente de s'infiltrer. Et coup de pied de but, il n'y a pas de faute. Régis Genot. Bon, c'est la quatrième sélection. À 21 ans. Et coup de pied de but pour Gilbert Bodard. Chaque minute qui passe, et je parle surtout au début de la rencontre, chaque minute qui passe sans que nous prenions but, eh bien, c'est en notre faveur. Mise en jeu pour Genot.
vers Gert Verheyen, dont c'est la première sélection parmi les Diables Rouges. Laudrup. Remise en jeu pour les Danois, pour Nielsen. Nielsen en retrait à Risager. Manque de précision là pour cette relance de Friis Hansen, le joueur lillois. Et c'est à nouveau le ballon en notre possession. Toujours Jeannot pour le remettre en mouvement. Jensen, le voilà. Un peu surpris de le voir sur le banc. Smith. Bockelmans. Ici Josip Weber, dont on espère beaucoup. Paul Van Imst lui a demandé de jouer à fond pendant une mi-temps au moins, de se livrer sans compter. Et au cas où il serait trop fatigué, eh bien, Paul Van Imst ferait monter au jeu Luis Oliver pour amener des troupes fêches. Et donc sans doute voir Josip Weber courir sur tous les ballons, c'est dans tous les cas ce qu'on espère. Une vieille connaissance ici, Lars Olsen, le capitaine et libéro de cette équipe danoise qui l'an dernier encore jouait sous le maillot rouge et noir de Serein et qui maintenant a été transféré à Bâle. Attention à Mikael Laudrup, il s'infiltre un tri de Laudrup, détourné, le ballon reste danois. Et il sort en coup de coin. Ils sont dangereux, ces Danois, très incisifs à l'approche et dans le rectangle. Coup de coin pour le Danemark, il est botté par Brian Laudrup. Avec le numéro 7 à ses côtés, c'est-à-dire Nielsen. Préfère donner un long ballon vers le point de pénalty, la tête au-dessus. Une tête de Ripper qui était montée. Et c'est un coup de pied de but pour Gilbert Bodard. On ne peut pas dire que Gilbert passe un début de soirée de tout repos. Mais il aime ça. Huit minutes de jeu, toujours 0-0. Allons vers Verheyen, récupéré par les Danois. Et bon service à Risager, centre-tir de Risager. Heureusement sans danger pour Gilbert Prudhomme, mais coup de pied de but pour nous. Risager ici, le numéro 6 qui joue à Brøndby, un des quatre joueurs donc danois qui sont restés au pays. C'est sa première sélection, donc un joueur dans chaque camp connaît les joies d'une première sélection. Risager chez les Danois. Et chez nous, Gert Verheyen, première sélection donc à 24 ans pour Gert Verheyen, le fils de Jan, qui fut lui aussi, souvenez-vous, un excellent Diable Rouge. Philippe Albert à Jeannot. Jeannot toujours sur cette passe de notre nouveau capitaine, Frankie Van Der Elst, ce ballon perdu par les Belges, ascendant Philippe Albert aux prises avec Laudrup. Philippe Albert en retrait, Gilbert doit dégager du pied, ce qu'il fait très bien. Le ballon reste danois avec Friis Hansen. Friis Hansen en retrait pour Olsen. Et vous avez vu à l'affût, et Marc de Grace et Josip Weber. Mais de nouveau, les Danois se présentent dangereusement devant nous. Helweg, Sandre Helweg, la tête, heureusement, de Van Meer. Van Meer qui retrouve un poste de libéraux chez les Diables Rouges. Toujours les Danois qui font le forcing pour le moment. Nous subissons la partie. Verheyen, faute sur Verheyen et coup franc pour la Belgique. Le voilà, donc Gert Verheyen qui a fait ses débuts à Hoogstraat, qui est passé au Lierse puis à Anderlecht et qui donc maintenant à Bruges est devenu Diable Rouge. Et le voilà balle au pied. Prise avec deux joueurs danois, dont Risager, long transversal de Risager vers Strudal. Très dangereux ce Strudal, il faut le tenir de très près. C'est Rudy Smith qui le tient là. Marquage à la culotte pour le moment en tous les cas. Mais ce sera un marquage de jaune de zone pour les Belges. Ce serait suicidaire de vouloir suivre de très près des joueurs comme Strudal ou les frères Laudrup, en laissant bien sûr des espaces libres au cas où on perdrait le contact avec l'adversaire direct. Donc on marque le joueur, je pense à Smith, à Albert, même parfois à Bockelmans, bien sûr. On marque l'adversaire direct, mais jusqu'à un certain point.
Koudal en retrait. Ici c'est Ripper. Ballon circule dans les rangs danois avec Vilfort. Passe un peu courte de Vilfort. Heureusement pour les Danois, Ripper était là. Tête de Van Meer. Et bien je voyais qu'il joue très 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 groupé. Hein. C'était souhaité par Paul Van Imst. Genot, il adore des espaces libres. Il l'a là devant lui. Il s'infiltre. Gisenot au centre. La tête, le but non. Oh la bande détente du gardien. Première occasion pour Gert Verheyen alors que l'on joue depuis 12 minutes. Une excellente montée, vous l'avez vu, ponctuée par une tête. Et là, j'ai bien cru que Schmeichel, qui est un excellent gardien de but, vous le savez, un des meilleurs d'Europe, n'allait pas pouvoir maîtriser le ballon. Bien joué de la part de Verheyen. Voilà, pour une première sélection, c'est l'idéal pour trouver la confiance. Allons, les petits Belges, c'est possible. Verheyen. Verheyen en retrait pour Régis Jeune. Vas-y, Régis. Régis pour Frankie Van der Elst, toujours très calme, bien sûr, il y en a connu d'autres. Mais croyez-moi, ce ne doit pas être facile de jouer dans un enfer pareil, même pour des diables. C'est un comble, hein. Borkelmans. Borkelmans en retrait pour Eric Van Meer. Long ballon d'Eric Van Meer dans les mains de Schmeichel, le gardien de Manchester United. Un très grand gardien. Par le talent, par la taille aussi, puisqu'il mesure 1m91 pour 94 kg. Eh bien, je ne voudrais pas le rencontrer au coin dans le bois danois. Les Belges, avec Weber. Vas-y, Josque. Maintenant, Philippe Albert. Philippe Albert devrait donner vers la droite. Oh, il va tenter sa chance de loin. Un tir contré, le ballon reste chez nous. Il est perdu maintenant. On revient chez Strudal. Oula, un coup pour Frankie Van der Elst. C'est blessé en intervenant. Marc de Grijs. Marc de Grijs qui s'infiltre. Les Danois qui repartent avec Laudrup. Michael Laudrup pour Helweg. Et ça va vite. Hein. Laudrup. Ryan Laudrup. Avec Smith devant lui. Il rentre dans le jeu. Cherche un appui. Oui, il fait sauter le ballon. C'était bien joué vers Strudal. Vous avez vu comment ce ballon est passé en cloche au-dessus de toute la défense. Et encore une fois, c'est Marc Strudal qu'on cherchait, l'homme à tenir. Coup de coin, il est botté par Brian Laudrup, le cadet des deux Laudrup. Un ballon qui rentre, qui va être dégagé de la tête par Van Meer, repoussé par les Danois et dégagé finalement par Régis Genot qui part au plus pressé et qui dégage hors des limites. Remise en jeu pour le Danemark. L'arbitre donc italien, je vous l'ai dit, monsieur Peretto. Hansen, Fris Hansen. Eric Van Meer calmement à Gilbert Baudin. Près de 15 minutes de jeu, toujours 0-0. Est-ce que l'orage serait déjà passé? Il faut dire que nous avons connu un début assez difficile, mais que maintenant ça semble bien s'organiser chez nous. On ne s'affole pas. Et c'est l'essentiel. Borkelmans. Un mauvais contrôle de Borkelmans. Smith de la tête. Frankie Van der Elst. Le ballon revient chez nous avec Van Meer. Faut pas hésiter. Voilà. Philippe Albert. Un appel sur la gauche. Philippe Albert l'a vu. Mais le ballon, trop puissamment enlevé, sort des lignes. Remise en jeu pour les Danois. Remise en jeu que va faire Lars Olsen, l'ex-Cerésien. À son gardien Schmeichel. Excellent gardien ce Schmeichel. Son père était, figurez-vous, pianiste de jazz professionnel. Pourquoi pas, me direz-vous. Laudrup, Brian Laudrup. Double, triple crochet, excellent manieur de ballon. Laudrup, Helweg. Helweg qui s'infiltre. Heureusement, Philippe Albert est là. Un contre favorable aux Danois. Deuxième contre. Et le ballon qui se rend. Coup de pied de but. Bien vu l'arbitre. Et même une faute en plus d'Helweg. Nous allons revoir l'action. Oui, la faute d'Helweg commise sur Eric Van Meer. Et sanctionné aussitôt par l'arbitre. Le voilà, Helweg. Il joue à Udinese, lui.
Voilà ces supporters danois, en général très fair-play, très bruyants, mais fair-play, beaucoup, beaucoup de jeunes, comme vous le constatez sur les gradins. Gilbert Baudin, le ballon pour Borkelmans, Frankie Vanderels, c'est bien, vers Lorenzo Stalens, qui a tenté d'isoler son coéquipier du club brugeois, Vrijen. Alors on revient vers nous, la tête très sûre de Philippe Albert. Stalens qui jongle avec le ballon, là on fait peut-être un peu trop. Et une faute de main de Nielsen. Coup franc pour nous. Genot toujours. Est-ce qu'il va passer? Il attend un soutien. Voilà, il a vu Gerd Vrijen. Ça fonctionne bien sur le flanc droit entre Vrijen et Genot. Au moment où je vous dis ça, évidemment, pour me contredire, ils perdent le ballon. Mais ce n'est pas grave. Schmeichel, qui est un ancien gardien de handball aussi, en première division. Philippe Albert, Albert vers Van der Els. On revient dans les rangs de Brian Laudrup. Toujours Laudrup, il va vite, un balle au pied Laudrup. Laudrup encore, oui, quelle bonne technique. Il a effacé véritablement son adversaire direct et le ballon qui reste... Danois avec l'autre Laudrup, Michael, si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Croyez-moi, ces deux-là, ils font beaucoup de mouvements dans leurs actions, beaucoup de poids lorsqu'ils attaquent. Vous avez vu ce tir de Michael, bien dirigé. Le ballon n'est pas passé tellement loin. Il avait quatre joueurs belges à ses côtés. Heureusement, à 2 mètres environ à côté du but de Gilbert Baudin. Laudrup, Eric Van Meer, attention à la relance, il faut perdre le moins possible de ballon, parce qu'évidemment, on permet aux Danois de revenir dans notre camp, et c'est ce qu'ils souhaitent, c'est à eux à faire le jeu, bien sûr. Il faut rappeler qu'ils n'ont réussi qu'un nul en Macédoine, donc ils n'ont qu'un point, alors que nous en avons 3, nous, dans ce classement du groupe 2, puisque nous avons battu chez nous les Arméniens. Et comme les Danois se déplacent bientôt en Espagne, ce sera le mois prochain, ils doivent à tout prix gagner aujourd'hui. Risager vers Michael Laudrup. Olsen qui monte. Olsen encore. Ouf, heureusement, il y avait le pied de Philippe Albert. Ça n'est pas terminé. Un tir détourné de Strudal. Détourné en coup de poing. minutes de jeu, toujours 0-0. Et le coup de coin pour Brian Laudrup. Gilbert Baudard a fort affaire avec Laudrup qui le suit partout avec Michael Laudrup. La tête, le ballon dans les pieds de Vrijen maintenant. Toujours les Danois. Olsen pour Risager. Long ballon de Risager vers Villefort. Récupération pour Laudrup. Brian Laudrup. Centre de bras. Laudrup dégagé par le pied de Van Meer en coup de coin. Nous subissons une pression pratiquement depuis le début de la partie. 20 minutes de jeu. Le coup de coin toujours botté par Laudrup. Beaucoup de maillots rouges dans notre rectangle. Heureusement aussi, beaucoup de blancs. Et la contre-attaque. C'est sur une contre-attaque peut-être qu'on pourrait marquer un petit but. Le petit but qui nous fait du bien. Laudrup. Brian Laudrup. Ah, vous allez voir son crochet redoutable. Et encore un coup de poing. Brrr, ça chauffe. Et de Laudrup, dont le père est un ancien international danois, lui aussi. Dans le football, dans le sang, dans la famille. Vous voyez, Gilbert Baudard qui est constamment gêné par Michael Laudrup. Un peu vicieux, là, Michael Laudrup. Hein, le joueur du Real Madrid, dont le parcours est assez curieux, puisqu'il a joué au Lazio de Rome, à la Juventus, à Barcelone, et le voilà maintenant au Real de Madrid. Son frère, lui, joue Brian au Glasgow Rangers. Après avoir voyagé pas mal non plus, décidément, ce sont des voyageurs, les Laudrup, puisque lui a...
a joué Brian à Urdigen, au Bayern, à la Fiorentina, à l'AC Milan, et le voilà donc maintenant en Écosse. Nielsen pour Helweg. Helweg en direction de Strudal, qui se déplace beaucoup latéralement. Centre de Strudal, la tête, Gilbert Bodard. Ouh là là, la tête de Villefort et un arrêt réflexe de Gilbert Bodard qui a écarté du point cette tête hyper dangereuse. Olsen pour Mikael Laudrup. Un bon service de Laudrup, toujours pour Strudal. Mais qu'il est difficile à tenir, ce Strudal. Revoyons l'action, le centre, la tête. Et Gilbert Bodard, qui ne s'est pas posé de questions, il a eu raison. Il a remballé le ballon, il a renvoyé le ballon du point. Mais que c'est un début difficile. Weber toujours. Ah, il en a fait trop. Il en a fait trop, Weber. Olsen qui remonte très bien le ballon. L'offre à Villefort. Helweg. Strudal maintenant. Tire en pivot de Strudal à côté. Strudal de Brøndby, mais je suis persuadé qu'il ne restera pas longtemps à Brøndby celui-là. Il a déjà inscrit 2 buts pour l'équipe danoise et c'est sa 7e sélection. Un costaud, 1m90, un véritable déménageur, mais quelle présence devant le but et je vous le disais, des déplacements, il est toujours en mouvement. Van der Els, contrôle de la poitrine, Genot, et le ballon qui sort, remise en jeu pour les Belges. Remise en jeu pour Régis Genot. Il y avait une faute, une faute de qui? Eh bien, faute de Marc de Grijs sur Fris Hansen. Schmeichel pour botter ce coup franc. 72e sélection pour Schmeichel. Paul Van Imst ici, peut-être un peu soucieux. Encore qui s'attendait à ce pressing de la part des Danois. Faute. Coup franc pour nous. Gilbert Bodard à la 24e minute de jeu. Varayon qui a prolongé 20...